Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur les nouveautés Instagram, remix des vidéos, affichage d'une note sur votre photo de profil, la fonction dual ou encore l'ajout de musique sur vos photos. Vous êtes bien sur la chaîne de CEGE Virtuelle Assistante, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité, leur business sur le web. Je vous invite à vous abonner pour découvrir tous les lundis une nouvelle vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur pour le tutoriel pour découvrir la révolution Instagram de ce début 2023. L'algorithme a changé début 2023. La priorité est donnée au réel au détriment des photos. Les recommandations aux utilisateurs des réels sont passées de 15% à 30%. Il est plus important de mettre des vidéos ou des réels sur votre feed Instagram plutôt que des photos pour être montré au plus d'utilisateurs possible. On se retrouve sur mon compte Instagram pour voir comment ajouter une note sur sa photo de profil. Donc vous appuyez sur le petit avion en haut à droite pour aller à message. Et sur votre photo de profil, vous pouvez faire plus et ajouter une note. Vous faites partager et la note sera partagée pendant une durée de 24 heures à l'ensemble de vos followers. Cette action n'est possible que sur l'application Instagram sur smartphone et cette fonctionnalité n'est pas disponible sur l'ordinateur. Alors, je voulais vous montrer maintenant la nouvelle fonctionnalité dual. Donc, quand vous mettez sur Reels, vous avez la fonctionnalité dual qui permet en fait de filmer face caméra et de l'autre côté de la caméra pour se rapprocher en fait de l'application biréel. Donc, je voulais vous montrer à présent comment on faisait pour remixer un réel déjà publié pour mettre par exemple sa réaction. Donc ici, j'ai sélectionné donc ce réel. Je sélectionne sur les trois petits points. Je mets Remix. Et ici, on peut soit mettre la vidéo côte à côte, soit la mettre un peu en décalé. Je voulais vous montrer comment on peut ajouter de la musique à une photo. Donc là, j'ai sélectionné une photo, publication. Suivant, on peut modifier l'aspect de la photo, donc ça change rien, la luminosité, et ici vous avez ajout de musique. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Vous pouvez également m'informer des sujets que vous souhaitez que j'aborde. Vous êtes bien sur la chaîne de CEGE Virtuelle Assistante, la chaîne dédiée aux entrepreneurs qui veulent développer leur visibilité et leur business sur le web. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité, découvrir des tips et des conseils pour développer votre visibilité sur le web.